Hey, 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 salut tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode du Let's Play Challenge des enfants parfaits. Vous pouvez le voir, effectivement, j'ai téléchargé le MC Command Center. Voilà, ça fait pas très longtemps que je l'ai installé, c'était pour bidouiller sur une petite partie perso et peut-être faire autre chose, mais voilà. Bref, nous on retrouve Louise, Louise, ok, mange. Louise, elle va bien. Et tous les autres monstres dorment. Mais oui, c'est tout à fait tout ça. C'est tout à fait tout ça. On est vendredi, ok. Très bien. C'est-à-dire qu'ils vont encore aller en cours. Et est-ce que Papounet, lui, va travailler? Oh, bah lui. Ah, il manque que les 10 000 labos. Hein. Il travaille en 4 heures. Donc, il va falloir qu'il bosse. Qu'il fasse ce qu'il faut faire, il va falloir qu'on se déplace pour comment dire, pour pouvoir faire, pour crier qu'il est à tel endroit et puis ce sera très bien. Donc les enfants, ils commencent tous dans une heure. Très bien. Voilà. Ok. Je vais essayer un truc. Méchant. Accusé de toucher à ses affaires. Je sais pas du tout si ça va fonctionner. Je sais pas. En fait. Vous savez, pour améliorer le truc de conflit. Mais il faut vraiment que non, je pense pas parce que c'est débile. Puisque il faut vraiment qu'ils s'entendent pas. Tu vas t'excuser. Et t'excuser. Voilà. Toi, tu vas manger un truc peut-être. Va manger un truc plutôt que de jouer. Ouais, t'as besoin du divertissement. Tu vas manger un truc et tu vas regarder la téloche. On va pas commencer à nous faire chier. Toi, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu vas pas aux toilettes? Et tu manges aussi. Franchement, y en a, ils sont. Mais je t'ai dit de manger, espèce de. Tanche. Ah bah voilà. Bon bah ça va en cours. Tout va bien, j'ai pas le temps de gérer de qui que ce soit. Ils vont tous aller. Oh là là, Aurélie! On dirait d'aller aux toilettes. Papa, il est réveillé. Papa, il va faire un petit pissou. Et puis. Il va mettre à jour. Il va mettre à jour son réseau social. Hop. Ça fera gagner 50 abonnés. 20 ab 25 abonnés. Ah oui. Allez, tu vas essayer de faire ça en direct. Allez, va. Ah non, vas-y, va pas te laver les mains, on s'en fiche. Je vais voir ce que ça donne si tu joues en live sur YouTube. Si ça va aider sur ta, pour ta carrière ou pas. Si tu peux devenir youtubeur. T'as oublié d'aller en cours. 20 abonnés. Alors, fais-moi voir ton skill sur les Sims. Je sais jamais qui c'est celui-là. C'est Philippe. Ouais, c'est Philippe. Philippe, il est en retard à l'école. Tu vas te faire des amis. 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 Faire des amis, faire des amis, et faire des amis. Alors, dis-moi tout. Non, on travaille à la maison. T'as gagné 278 simflouzes. C'est bien? Cécile a rencontré Pierce. Ah, c'était... sandwich aux toilettes. Nous avons trouvé Paul dans les toilettes en train de manger un sandwich. Bah alors, s'il a faim, il est parti sans manger ce matin, je vous annonce ça quand même. C'était inattendu, nous ne savons pas trop quoi en penser, mais nous avons préféré vous appeler. C'est vraiment dégoûtant. Mais il mange pas dans la cuvette non plus, il l'a pas trouvé dans la poubelle, dans la cuvette, j'en sais rien. Augmente les manières, augmente l'empathie, augmente le contrôle des émotions. Ça fait gagner du temps. Il n'y a plus autant. Wow, c'est pas très grave.
Bon, tu streams. Bon, on s'en fout, on va faire ça. Mais ça suffit, arrêtez de nous embêter. Ah, cette fois-ci, c'est Louise qui a utilisé des mots interdits. Oh là là. Non. Voilà, on va, c'est pas grave, on va travailler ça. Bon, John. Ah, mais arrêtez! Même quand on a 7 enfants, ça n'arrête pas. Bon, ça fait quoi? Il a. Philippe a rencontré Olivia. Ok. Bon, ça fait pas grand-chose. Là, son truc sur internet. Paul a rencontré Pierce. Oui, bah, ils ont pas beaucoup des. Comment ça s'appelle? Pas beaucoup d'élèves. Ah, rencontrer Charles, Elsa. Charlotte. Bon, bah, ça fait rien, donc va te laver. Charlotte a rencontré Max. Ok. Ah, bah voilà! Il a obtenu 1200 abonnés! Oh, mais punaise, il a de la chance, lui. Paul a rencontré Nathalie. Ok. Bah, c'est bien. Tu sais quoi? Tu vas finir me manger ta salade de fruits. Joli, joli, joli. Oh là, ça m'énerve, là. Je vais leur faire. Oh, il pue! Fais le minimum. Fais le minimum. Oh là là, mais il n'y en a aucun qui va bien, hein, ces gosses-là. C'est quoi ce délire? Hop. On va tous leur remonter le divertissement. Ça leur fera les pieds. Papa, il a mis son super t-shirt de la convention geek. Tu vas manger, tu te dépêches. On a le temps de rien avec John, hein. On a vraiment le temps de rien faire. Et donc, bah voilà, il doit faire des tâches, c'est vrai. Alors, être drôle avec 5 sims différents. Putain, c'est chiant. Faire un discours énergisé dans le quartier chic. Oh. Bon, bah, on va y aller, hein, cette fois. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On va aller au quartier chic, c'est très très chic. Non, on y va tout seul. Voilà, nous voilà dans le quartier chic. Il faut que tu sois drôle avec 7 personnes différentes. Tu vas faire une présentation amusante. Je suis jamais allée dans ce quartier en fait, je suis en train de me dire. C'est le jeune en direct dans la bande des fêtards, non. Est-ce que tu as été drôle avec une personne? C'est bon, tu arrêtes de lui parler. Tu vas raconter une blague. Toc toc qui est là. Ensuite, toi. Toi, on va faire une présentation amusante. Vas-y, arrête de parler avec elle, avec ça. Elisa Pancakes, on va se faire une présentation amusante aussi. Voilà, on a été amusant. Ah, oh, il y a Brant et Brant là, Brant blond et Brant black. Ils sont sur un bateau. Hop. John, où es-tu? Est-ce que tu as été drôle avec toutes ces personnes amusantes? C'est bon. Mais on n'a pas fait discours énergisé dans le quartier. Putain, mais comment veux-tu faire un discours énergisé? Ah, là? Faire un discours. Faire un discours énergisé. Ok. Vas-y, va. Je sais pas pourquoi, mais vas-y. Oh! C'est rigolo? Bon, les enfants, il y a eu un A, il y a eu un B. Comment écrit? Voilà. Oui, ça y est, on a le discours de John n'a inspiré personne. Voilà, c'est tant pis. Mais on va rentrer tout de suite à la baraque parce que les enfants sont rentrés et on va aller s'occuper d'eux. Et nous revoilà. Le long, lit de l'eau. Allez, commence déjà à emmerder son daron, lui. Augmente les manières, augmente la responsabilité, augmente la résolution de conflits. Oui. Ah mince, il est plus compatissant, moi qui ai tellement galéré à l'avoir. Mais non. Pourquoi tant de haine? Il n'est pas. Ah, mais l'empathie, quoi!
Par contre, il est au top, résolution de conflit. Mince, si je le savais. Si je le savais. Tu vas courir pour te vider l'esprit pendant ce temps-là. Toi, oh non, mais franchement, hein, vous me cassez les nubes. Toi aussi, va courir un peu, je sais pas, fais ta vie. En plus, c'est le week-end, les enfants, donc vous pouvez aller vous permettre de faire du sport. Tiens, va aussi courir pour te vider l'esprit. Tous ceux qui n'ont pas le trait, ils vont aller courir. Tiens, va courir. Toi, ça va, ça augmente. Toi, tu l'as. Toi, tu l'as. Et toi, tu l'as pas. Va courir. Voilà. Il va falloir nous trouver un bouc émissaire. Papa, il va faire à bouffer. Papa, il va faire à manger. Tu vas faire quoi à manger? Pain de muerto, ouais, voilà, c'est très bien. Il va falloir nous trouver un bouc émissaire. Tiens, Cécile, tu vas commencer le bal. On va dire toi. Toi, Émilie Lambert. Tu vas faire une petite présentation grossière. Parce qu'il faut absolument qu'on augmente. Quand on augmente. Ouais, toute trempée, elle. Non, pas amusante. Oh. Grossière. Bien élevée, d'accord. Faut qu'on augmente notre résolution de conflit. La seule chose qu'on doit faire, c'est être ne pas bien s'entendre avec quelqu'un. Bon, elle, elle a ses manières qui baissent, hein, mais... Oui. Tiens, tu vas la pousser. Et puis après, c'est Louise qui va aller. Vas-y, pousse-la! Elle va prendre une douche maintenant. Voilà, comme ça on a un peu de négatif. Pas trop non plus parce que je veux pas que ça fasse des problèmes. Présentation grossière en EOP. J'espère que vous entendez pas le débile mental qui crie dans la rue. Très en colère. Ah bah ouais, bah elle se fait un peu bien élevée. Elle est plus bien élevée. Bah ouais, bah c'est le problème en fait. Parce que si on fait des interactions négatives, ça enlève tout. Oh putain. Contrôle des émotions n'est plus compatible. Bah oui, bien sûr. Mélancolie adolescente. Augmente le contrôle des émotions. Ou la responsabilité. Ah, j'aurais dû faire l'empathie plutôt. Oh là là, mais je fais n'importe quoi! Ok, vas-y, tu arrêtes et tu vas rentrer à la maison. On va aller ici. Et pendant ce temps-là, on a... Elle est rentrée. Mais va manger, fais quelque chose, quoi. T'es con, quoi. Va manger. Au lieu de regarder les... Voir si les trucs, ils sont beaux. Les rideaux, ils sont beaux. Cécile, tu prends ta douche. On est ok. Et on va essayer de améliorer. Alors, on va voir Louise. Ah, mais aider à améliorer la relation, vous voyez? Et comme ça, tout le monde va essayer. Mais viens, toi, du coup. Rentre. Demande des conseils. Vite, on va ouvrir son truc pour savoir exactement quoi faire. Entre contrôle des émotions, résolution de conflit. Vas-y, lâche ton venin. Voilà, j'irai lui parler. Donc, logiquement, ça doit augmenter. Je sais pas qui augmente, en fait. Alors, mélancolie adolescente. Mais c'est encore elle? Personne ne m'aime. Contrôle des émotions. Contrôle des émotions. Ah, résolution de conflit. Tac. Voilà. Oh putain. C'est le bordel. Il y a trop d'enfants. Je ne sais plus. Qui c'est qui s'est pas bien entendu? C'est toi. Nicolas, tu vas dire à Cécile. Mais Cécile, elle n'est pas encore sortie de la douche. Toi. Ah oui, en fait, ils peuvent tous le faire. Donc c'est cool parce qu'ils vont tous le faire. Et ont tous donné des conseils. Toi aussi, tu vas donner des conseils. Les mêmes relations. Voilà. Toi aussi, tu vas le faire. Mais non, mais bon, il faut bien, quoi. Je suis pas sûre de ce qui c'est ce qu'il faut, mais. Voilà, toi aussi, on va te le faire. On peut pas. On peut pas. C'est super.
perd la vie. Ça ne fonctionne pas quand on en a envie. Ah si, ça fait augmenter tout le monde, quoi. Je sais pas trop, ouais, c'est bizarre. Bon, alors toi, du coup, tu vas faire des compliments à ta sœur. Parce que je suis avec, avec lui, donc voilà, complimenter, complimenter. Toi, les manières, t'es où, t'es ici, tu vas aussi complimenter. Hop, complimenter ton frère. Tac, ici. Toi, tu as les manières qui sont bien... Oh, la résolution de conflit a bien augmenté, mais t'as plus l'empathie, ça m'énerve. Ah, oh, choisissons les interactions sociales pendant les jeux. Ouais, mais ils sont pas d'humeur négative, hein. Qu'est-ce qu'il va dormir, lui, vient ici, espèce d'enfoiré. J'aurais voulu être un phonique. Ben, t'es mal barré, mon gars, il y en a tellement. C'est marrant, parce que je peux pas le faire avec elle, alors qu'elle non plus, elle s'entend pas avec la fille. Avec Émilie. Vas-y, dis-lui de venir, on va s'acharner un peu sur elle. Je sais pas, peut-être que Louise, c'était encore plus bas. Ah oui, c'était un peu plus bas. Donc il faut peut-être... Alors, c'est pas grave, vous allez vous faire des compliments les uns les autres, là. Il faut que tout augmente, il faut que vous soyez au top. Taquine à propos du visage. Mais oui, bien sûr! Mais bien sûr, comme on dit, hein. Hop, des compliments, des compliments. Ah, papa aussi, on va en faire, hein. Il faut pas qu'il soit en reste, hein. Qu'est-ce que tu fais, toi? Mais va pisser! Mais qu'il est con! Emilie Lambert va arriver. Emilie Lambert va arriver. C'est bien. Toi, tu vas lui dire d'entrer. Demander de partir. Dénigrer la colère. Non, tu vas... Méchant. Dénigrer la colère. Ah bah, tant qu'à faire. Ah voilà. Bien élevé, c'est revenu. Bien élevé, Louise, voilà, Charlotte, bien élevé. Non, parce que ça m'embête qu'il soit... Alors, on va faire le tour rapidement. Les niveaux manières... Ah oui, toi, tu peux grave y aller pour l'insulter et tout. Présentation grossière. Et après, on pourra augmenter les skills. Parce que comme elle est au top en manière... Voilà. Toi, ça va mieux, Philippe. Je vais complimenter aussi. Alors, tu vas présentation grossière, hein, je te l'ai déjà demandé, hein, oui. Dénigrer la colère. Qui c'est qui prend un selfie là? Ah, elle a plus... Non, elle a plus d'empathie. Qui c'est qui avait plus d'empathie non plus, là? Elle. Donc en fait, c'est pas toi qui va essayer de la calmer. C'est Louise. Ouf. Ah ouais, Philippe aussi. Ah ouais, mais il y en a trop qui ont plus l'empathie. Je suis dégoûtée. Putain. Oh, tu vas te faire présenter grossièrement aussi, comme ça au moins. Nicolas. Tu vas te présenter grossièrement. Bah ouais, mais je suis obligée de créer la... La meuf, elle va dire, mais qu'est-ce que c'est? Ils sont tous contre moi, quoi. Résolution de conflit, c'est pas génial. Est-ce que tu vois, tu peux conseiller cette fille? Je suis pas sûre. Hein. Non. Alors... Toi, l'empathie, c'est nickel. Toi, l'empathie, ça va pas. Tu vas essayer de la calmer. Ah, mais ton... Ah ouais, essayer de se calmer. Normalement, l'empathie devrait remonter. Non? Oui! C'est bon, yeah! Toi aussi. Tu vas... Du coup, ouais. Ah bah, elle est confiante maintenant. Ouais, mais toi, tes manières, c'est juste. Hein.
On va faire lui qui va être grossier. Voilà. Comme ça, si elle s'énerve, on va jouer aux chaises musicales en fait. Hein. Vas-y, sois grossier avec elle. Voilà, ça c'est fait. Normalement, on veut pas que je fasse trop. Manière, il a perdu ses manières. Mais tu vas faire tout de suite complimenter pour comme ça c'est fait. Tu vas l'énerver un peu. Faire pression pour obliger à rentrer dans le moule. Embêter, dénigrer. Tu vas l'insulter carrément. Prends ça, elle est confiante, ta meuf. Nicolas, je vais avoir besoin de toi. Dès qu'elle est énervée, en fait. Ah, mais putain, il se perd de l'empathie aussi. Oh, ça va, il a de la marge de l'empathie, mais c'est relou, quoi. Tu t'entends pas trop avec elle, mais est-ce que tu peux le faire Non, parce qu'elle doit être en bonne humeur. Oh, ils font des câlins, là, c'est choupiné. Nicolas. Nicolas, bah, de toute façon, tu fais la. Ok, on va. Et lui, il est occupé. Contrôle des émotions, Paul. C'est Paul. C'est Paul. Contrôle des émotions, Paul. Tu vas aller courir pour te vider l'esprit. Allez. Toi, contrôle des émotions, empathie et manière. Alors. Ah! Paul. Résolution de conflit. Ah non, mais là, on augmente le mieux qu'on peut. Ah, il a fond résolution de conflit, mais contrôle des émotions. C'est pas grave, il va aller courir. Toi, tu dois contrôle des émotions, empathie et manière. Tu vas complimenter du coup ta sœur, puis ton autre sœur et ton papa. C'est tout un merdier pour remonter les manières. Nicolas! T'as besoin de dormir, oui, arrête ta douche. Contrôle des émotions. Manière, c'est tout juste quand même, hein. Empathie, on n'y est pas trop. Ouais, c'est chiant en fait, parce que il faudrait qu'elle soit énervée. Qui c'est qui est beaucoup en avance? Bah, c'est elle. Vas-y, emmerde-la. Tu vas pas t'excuser. Non, tu vas être méchant, tu vas l'insulter encore. La pauvre, celle-là, c'est vraiment. Et tu vas crier dessus. Ensuite, tu vas regarder la télé, tu vas regarder un film. Elle est bien élevée. Voilà, on va s'occuper. Mais non, tu devais. Oh, ça m'énerve. Pourquoi ça s'enlève méchant, insulté? Voilà. Hop, méchant, crier sur. Après, ça va lui enlever, mais bon, moi je peux pas. Hein. Bon, manière, ça va lui enlever de la manière. Qui c'est qui avait la manière qui était retombée dans les bas-fonds? Non, ils ont tous les manières. Ils ont tous les manières. Ouh, je vous jure, c'est d'un compliqué. Ah, elle, résolution de conflit. Ah, oh, mais. Moi d'aller voir Nicolas. Mais Nicolas, je t'ai dit de. Oh, j'en peux plus, moi, de ces Sims là. Et toi? Va insulter la meuf. Mais non, c'est l'empathie qui en prend, c'est même pas les manières. Ça m'énerve. Oh, c'est compliqué! Parce que là, elle perd de l'empathie. Bon, elle a de la marge, hein, mais c'est chiant. L'autre, elle est confiante encore. Hein. Supplier de pardonner. Tu vas à une malice. Et tu vas lui faire peur. C'est peut-être moins pire de faire de la malice que de faire de la méchanceté. Papa, il y a les chiottes qui fuient. Tu peux aller réparer, stop. Ah non, mais c'est le bordel, la compétence malice. Elle est embarrassée. Elle est embarrassée. Va manger.
Va aux toilettes, vas-y, fais ta life. C'est pas grave, tu t'es loupé. Nicolas, viens ici. Oh. Tu vas... Comment on peut offrir un cadeau? Tu peux offrir un cadeau? Cadeau amical? Bah non, tu veux... T'as rien dans ton truc, hein, ouais. Tu peux pas... Y a pas la, le mode... Pourquoi d'un coup on peut plus... On peut plus améliorer les trucs? Moi je vous jure, hein, ça... Je comprends pas, c'est compliqué! Mais pourquoi ils vont tous dormir? Mais en plus, c'est vrai, ils font nawak avec les lits, ça me... Ouh, ça me rend ouf. Toi! Manière, contrôle des émotions, empathie, résolution... Oh putain, mais t'as que la résolution de conflit augmentée, Louise, toi. Est-ce que, du coup, vu que tu t'entends pas trop avec elle, vous pouvez choisir un terrain d'entente, il me semble. J'ai cru voir ça tout à l'heure. Bon, je vais pas regarder au bon truc, encore une fois. Plus de choix. Est-ce que c'était dans mes champs? Offrir un cadeau méchant. Non. Aider, améliorer. Voilà. 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 Ça. Ça va l'augmenter, elle. Après, Louise, j'y touche plus, quoi. Voilà. Ce sera juste... Ils s'entendent pas, tu vois, mais... Tu peux le refaire? Tu peux pas le refaire. Tu peux pas le refaire. Tu peux le faire qu'une fois. Ça m'énerve. Il faut que je crée des conflits. Mais c'est nul. C'est nul. Arrête de dormir. Toi, c'est l'empathie et... Ouais, mais l'empathie, j'ai tellement galéré à l'avoir, quoi. Est-ce qu'il peut améliorer son truc à elle? C'est ça, hein, c'est quand on demande de calmer, quand quelqu'un est en colère ou embarrassé, compagnie, il me semble. Hein. Je vous jure, j'en sais rien, il est joueur. On va lui raconter une blague, alors. Taquiner de manière de machin. Je sais pas. Le bouc émissaire, bon. Nicolas. Oh, c'est tellement chiant ce trait. Je sais pas comment faire autrement pour l'améliorer. Et voyez, ça, dès qu'on fait quelque chose, ça... Ça ne marche plus, en fait. Se raciner sur un autre sim, demander à avoir une tenue, mais non. Non. Ça ne marche pas, faire un saison. Je comprends pas! Ah bah la résolution de conflit à elle qui est augmentée. Bah en même temps elle a tellement de taf à faire. J'arrive pas à gérer la résolution de conflit, ça me prend le chou. Ils ont perdu de l'empathie. Voilà. Oh, mais ils dorment n'importe où. Oh là là. Elle est nickel aussi, elle a juste la résolution de conflit, quoi. Est-ce que tu peux lui dire à elle de quelque chose, du coup? Je suis sûre que non, parce que quelqu'un est déjà passé par là. En gros, il faudrait se trouver 15 000... Non, bah c'est ça, il faut se trouver 15 000 personnes à qui on s'entend pas. Chacun a quelqu'un à qui il s'entend pas, tiens. Tu vas te présenter grossièrement. Niveau manière, t'as de quoi faire. Allez, dépêche... Avec Elisa Pancakes. Voilà. Tu vas l'effrayer. Elle va faire de la malice. Et mentir sur la carrière. Oh le look! Oh la vache! Quelle horreur! Niveau, t'as raté les cours de mode toi à l'école. Hein. Bon l'autre elle s'en va.
On essaiera de faire deux résolutions de conflits basses. Il y a que ils ont tous sa résolution. Non, sauf Philippe, je sais pas comment. Mais Philippe, lui, mais va courir. Va courir. Plutôt. Tu vas courir. Ensuite, tu prendras une douche si tu veux. Et tu mangeras. T'en es où, toi? Ouais. Se faire des amis de manière. On va augmenter l'empathie puisque je suis en train de la perdre partout, l'empathie. C'est elle. Bon, l'empathie est remontée au max. Ah bah. Tu vas recourir un petit peu pour te vider l'esprit. Il faut que tu montes ton contrôle des émotions. Alors, Cécile, tu vas encore un peu l'emmerder. Tu vas être méchante un peu. Tu vas l'insulter. Les manières, ça va pas. Hein. L'empathie, elle est un peu encore. Se propose des problèmes du coup. Alors. Elle... Non, mais elle baisse en résolution de conflit, c'est pas ce que je voulais! Ah, c'est chiant quand même! Allez, tu t'excuses peut-être. Niveau 10 pour la compétence, super, il a fait à manger encore. Qu'est-ce que tu fais? Mais te dispute pas! Essaye de t'excuser et d'améliorer la relation. Essayez de discuter. Allez. C'est quand tu veux, Cécile. Hein. Ça y est. Obtention contrôle des émotions. Voilà, résolution de conflit. En fait, il faut s'excuser. C'est compliqué, hein. En gros, c'est une insulte, une excuse. Une insulte, une excuse. Eh ben, on va faire ça. Tu peux améliorer ou pas. T'as pas augmenté ton truc, hein. Je vais pas être méchante, mais... Si! Ah, si, quand même. Mais pas des masses. Je dois vraiment y aller, c'était sympa. Ok. Bah, t'écoutes très bien. Tu vas revenir après. Oh, putain! Il y a tout qui est cassé! Mais c'est pas possible, ces gosses! Ils cassent tout! Papa! Alors, 182... 207. Tu vas me réparer celle-là, et là, je vais réparer comme ça. Non, mais là... Chez le Baudet, là! Ils sont tous partis se coucher? Non. Toi, tu peux aller aux toilettes. Tu casseras pas, j'espère, les toilettes. Paul. Fais voir tes traits. Contrôle des émotions. Ah, résolu... Oui, il y a que le contrôle des émotions! Ça, c'est cool, ça, c'est cool. Tu pourras remanger tes œufs brouillés. Et avant d'aller te coucher, tu vas écrire dans ton journal intime. On va vraiment essayer de faire au mieux, quoi. Lui, il est parti se doucher. Il a faim aussi. D'accord. Je vais le laisser faire sa life. Et il a que l'empathie à travailler. L'empathie, c'est compliqué. Alors, elle a augmenté sa résolution de conflit, mais... Lui, il a tout... Eh, mais c'est ouf! Ça augmente de dingue, en fait. Je sais pas comment, mais... Non, bah du coup, là, ça passe, hein. Excusez-moi, j'arrête pas de dire du coup. Bon. On va les laisser faire leur life. Toi, il n'y a que la résolution de conflit. Si tu peux nettoyer, comme ça t'augmentera tes manières. Ah oui, bah tu vas essayer d'insulter ton frère. Tu vas l'insulter. On va vraiment l'insulter. Et après l'avoir insulté, on va s'excuser. Voilà.
Elle a perdu de l'empathie, mais elle va s'excuser. Luigi Peachy. Voilà. Ça lui fait augmenter. Bah, de toute façon, moi, je vois pas comment je pourrais faire autrement. Tu vas être méchante, tu vas l'embêter. Tu vas l'embêter. Embête-le. Et ça, bien sûr, ça l'a enlevé. Embêter. Oh, la tête qui fait. Embête-le. D'accord. Embête-le, Cécile. Ça marche pas. Ok. Eh ben, dans ce cas-là, si tu... enfin, il faut pas faire la petite... Tu vas lui crier dessus seulement, alors. Ah, tu peux pas parce qu'il est en train d'écrire. Oh, vous me pétez les noix, hein, sérieusement. Lui, du coup, il augmente... Ça augmente bien. Tu sais quoi, tu vas être couché, cocotte. Puis tu prends le lit que tu veux, de toute façon, là, c'est what the fuck en ce moment, les lits. J'ai arrêté de me battre. Vas-y, tu peux réécrire dans ton journal. T'es presque parfait, mon petit Paul. Dépêche! Allez! Allez! Qu'est-ce que c'est lent! Allez! Voilà, contrôle des émotions. Niveau supérieur des compétences de écriture. Ah, d'accord. J'ai envie de te faire gagner tous les points, toi, aujourd'hui. Tu sais quoi? Ça, et tu vas te remémorer des souvenirs. On va y aller à fond. À fond, les ballons. Il faut qu'il ait son point de compétence. Enfin, de compétence. Toi, contrôle des émotions, empathie. D'accord. Contrôle des émotions, empathie. Contrôle des émotions, empathie. Je sais pas trop. Mais on va faire avec Paul, qu'il ait le trait en vert, là. Je croise envie. Il est 5h du matin, après il faudra que tu ailles te coucher quand même. Parce que regarde, ta soeur s'est levée et toi, t'as pas encore été couchée. On va y arriver, on va y arriver. Putain que j'y pense, tac. Hop. On a gagné un petit peu encore. Est-ce que tu peux te... Voilà, je sais pas. Oui, je sais, tu vas te coucher après, promis, promis, promis. Ils sont tous en train de se lever. Est-ce que ça te fait quelque chose de remonter dans tes souvenirs? Je suis pas sûre. Hein. Tu vas te coucher après. Hein. Ça fait rien, en fait. Oh, le bordel! On va aller les coucher là où ils veulent être couchés. Hein. Ou pas. Ah mais non, c'est bon, ils sont tous partis. Toi, tu vas aller prendre une douche et puis tu mangeras et t'iras aux toilettes. Toi, tu vas aller manger... Ah non, bah oui, il y a une deuxième journée qui commence quand même. Ils sont tout pas tous... Toi, tu vas aller te coucher. Et toi, tu vas aller te coucher aussi, en vrai. Voilà, bon, alors c'est bon pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Hein. On a essayé de charger quelqu'un pour pouvoir augmenter la résolution de conflit. Ça a en quelque sorte augmenté. Mais bien sûr, c'est toujours compliqué puisqu'on a tout ce qui est la manière et les empathies qui descend. Et ça, c'est vraiment relou. En tout cas, moi, c'est là-dessus que je vais vous laisser. Je vous donne rendez-vous pour mercredi prochain pour la suite des ados parfaits. Allez, salut!